« Plus rien, plus rien ne va plus pour euh, Papouno. Oui, euh, il essayait de monter dans sa pape mobile, pour ne pas dire sa batte mobile, enfin, dans cette euh, sorte de voiturette pour transporter le pape quand il euh, euh, a une foule à laquelle il veut euh, dire bonjour, bonsoir, gardez vos enfants très loin, enfin bref. » Elle papoule Francis, en tout cas, euh, l'état de santé se détériore. On lui souhaite un prompt rétablissement. C'est important, ok C'est important. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un prompt rétablissement à tous les vrais malades, ok À tous les malades qui Et ont subi euh, des attaques, souvent spirituelles, mais surtout physiques. Mais prenez soin de votre corps. Tout ira bien au final, ok Sérieux, sérieux. Alors, donc, euh, partageons euh, cette... Des informations qui quand même est intéressante concernant euh, Papouno. Euh, comme vous le voyez sur euh, ces images, qui essaie de monter dans la pap mobile. Euh, je vais ramener la vidéo un peu en arrière. Alors, ça c'est une vidéo de l'agence. Tous euh, les gens souffrir du manque. Ok, donc euh, on comprend. Ok, mais ça va être très difficile, hein, surtout avec les décrets de Donald Trump que, que bon, je dis protéger vos enfants. <laughs> Moi tout ce que je fais c'est pour les enfants. Quand je vois encore ces gens là, franchement ça ça c'est ça. Ça c'est ça, ça, c'est comme de l'abus. Ça c'est assistance d'un enfant en danger. Ok, comprends là qui pourra J'avance. Je voulais l'image m'a juste frappé, ça m'a un peu distrait. Ok, euh, bonjour, bonsoir. Ok, voilà pourquoi euh, il faut euh, ce grand réveil pour ces parents-là, par exemple, qui mettent leur enfant en danger comme ça. Ok, pensant recevoir des bénédictions. Ok, enfin. Ouh. La grippe qui dure, la grippe bizarre. Okay. Aujourd'hui, François, une fois de plus malade, souffrait toujours d'un rhume et a de nouveau limité ses interventions lors de l'audience hebdomadaire sur la place Saint-Pierre. Ah, cette place, cette place et les sous-sols en dessous de cette place. Laissant un assistant lire le texte qu'il avait préparé. Ça, c'est grave quand même, hein? c'est un assistant. Mais pourquoi même, quand je regarde l'image sur l'écran, il y a quelque chose qui me frappe. Je vais revenir là-dessus plus tard. Regardez où les gardes du corps là, hein, mettent leurs mains. Pourquoi Bon, ils peuvent il le prendre comme ça par le bras, mais pourquoi ils mettent ça dans le derrière Moi, je trouve que ça, c'est indécent. Hein. Proposition indécente Remarque indécente Je ne sais pas. Pour, pourquoi Ah Ou bien il y a une ceinture là-bas, il a un pantalon dessus Je ne sais pas, parce que, bon. Oh, franchement. Mais. Le pape n'est. Euh, cela n'est pas surprenant, euh, dit, euh, disent les, les, les services de communication du Vatican, euh, que lorsqu'il s'agit de rendez-vous de nature politique, le pape argentin, ah l'Argentine, euh, est toujours assez d'énergie, comme ce fut le cas lors de sa rencontre avec l'impopulaire chancelier allemand Olaf Scholz samedi dernier. L'état de santé du pape, âgé de 87 ans, a posé problème au cours des deux dernières semaines, l'obligeant à annuler certains engagements et à éviter de lire certains discours. Le Vatican. Ok, mon bête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais réorienter mes pensées pour me concentrer, pour finir cet article, ok Le Vatican a déclaré euh, sans transition. Le Vatican a déclaré le 24 février qu'il souffrait d'une légère, légère grippe. Oui, c'est léger. C'est comme, c'est comme la grippe de la reine. C'est léger la grippe de Charles qui est devenue cancer. En fait, il y en a qui disent que c'est pas le cancer. En fait, je sais pas. Trop de choses bizarres. La semaine dernière donc. Euh le pape s'est rendu brièvement dans un hôpital de Rome pour les professionnels pour y passer un scanner et samedi, il a déclaré qu'il souffrait d'une bronchite. Sans transition, François a déclaré à l'audience aujourd'hui qu'il déléguerait les lectures parce que j'ai encore un rhume et que je ne peux pas bien lire. Il a toutefois pris brièvement la parole à la fin de l'événement saluant certains fidèles et plaidant pour la paix en Ukraine et au Moyen-Orient. Et la paix à Gaza. Mais le pape, tu fais de la discrimination. Et la paix à Gaza. On veut la paix partout. Okay Alors, François, François qui a des difficultés à marcher, est arrivé sur la place Saint-Pierre dans son véhicule spécialement conçu, oui, connu sous le nom de Pape Mobile. Bon, regardons encore la vidéo. Okay On va voir la Pape Mobile. On va observer des choses bizarres. Le, 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 les gars du côté de la partie. Oh, c'est la partie. Oh, oh, C'était au début, j'allais trop loin. Mais c'est quoi ça? Bon, on dit que la, la répétition crée les habitudes. Nous sommes nos habitudes, n'est-ce pas? Hmm? Je, je, je ne suis pas en train de supposer quoi que ce soit, mais j'estime je, que, quand même, c'est le pape. Hein? <laughs> Il faut quand même le tenir différemment, ou bien mettre des gants. <laughs> enfin, je ne sais pas. Hein? Il aime l'endroit là. Hein. Ah Il a passé la main gauche un peu à côté. Attendez, attendez. Il a même. Ouh Vous avez vu comment la main gauche est passée rapidement Le gars là. Mm. Ah Capture d'écran. On a grandi l'image. Regardez. Ok, j'avance. Ok J'avance. Mm. Mm. Et ça dure. Ça dure. Mais enlève ta main. Ça, ça j'ai l'impression que le pape dit Le pape dit Hé hey tout le monde nous regarde. On est en public. <laughs> on est en public. <laughs> Comment oses-tu? Comment, man? Sois un peu plus discret. Faut pas faire comme Pididi. Hein? Peuf Daddy, hein? Qui en ce moment le nouveau Epstein. C'est très grave. Hein? Un monde obscur se <rire> révélatoire. <rire> Faut les sauver. Bon là, il... voilà, purée, ce jeune garçon-là, franchement. <laughs> Ce petit enfant-là, quand il va faire ses recherches, il va en vouloir à ses parents. Hein il va en vouloir à ses parents. <laughs> Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais euh, <laughs> partager Oh oui, il y a la photo du rappeur. <laughs> si vous prenez cette photo-là, vous faites des recherches, vous allez voir qu'il y a des emblèmes, des, des symboles bizarres là-bas qui s'allient à ceux contre qui. Euh, Vladimir Poutine est en train de se battre du côté euh, de la Russie dans l'opération de dénazification. Le pape, c'est un rappeur, il aime les, les colliers comme les, <laughs> comme les PDD. Apparemment, ils aiment tous les gros colliers comme ça. Je sais pas que tous, ils sont de... Enfin, autre chose, au en fait, c'est la débandade au niveau des médias, ok euh, Avant de parler de ça, rappelons que euh, Joe Biden, ok, euh, il bat tous les records. Hein. Il est le premier président sortant à Enfin, le premier résident, hein, président de la corporation, okay, le président réveilleur, euh, résident du sous-sol. Enfin, donc Joe Biden est le premier résident du sous-sol euh, qui va s'adresser à la ce soir et il est donc le tout premier à perdre une primaire en 44 ans. Il est le premier à perdre une primaire en 44 ans. <laughs> bon, écoutez, hein euh, ça, ça a été rapporté par Juanita Broaddrick ok, sur son compte Twitter. Alors, c'est toute information qui est intéressante parce que 17 nous a parlé de ceci dans son message 4909. Dans le message, message 4909. Euh, je vois si je peux retrouver la date. Je ne trouve, trouve pas la, la date. Vous connaissez tous ce message de 17 euh, qui exprime le déclin des médias Qu'on va voir cela parce que c'est le cancer. Hein, euh, ces gars-là, les médias menteurs, les médias Mockenberg qui répètent, répètent euh, tout ce qui est écrit dans les emails, les fax, les telex qui recevaient depuis la nuit des temps pour euh, nous diviser, nous faire croire que nous devons toujours vivre dans la Terreur, dans la peur, dans l'attente atta d'une attaque éventuelle, de ceux et celles que eux mêmes ils financent, payent pour nous attaquer. Mais c'est incroyable. Mon Dieu, une vraie mafia. Hein? C'est cela qui se passe sur cette les planète. Alors, dans ce message, j'avais un immeuble qui s'effondrait. Et puis il y avait genre des pôles, comment on dit ça, euh, qui étaient soutenus, qui tombaient. C'est comme s'il y avait un tremblement de terre, un bizarre, un immeuble qui tombait. Et puis il y avait les effigies des différentes chaînes euh, que vous voyez sur cette image là, telles que Fox, telles que NBC, bon CNN, euh, les médias mainstream. Il y avait quelques-uns, ABC, je m'en rappelle plus lesquels exactement il y avait sur la photo, mais il y avait des euh, les noms de ces médias mainstream les plus populaires. Euh, tels que ABC, NBC, j'en passe. Et là, il y a Elon Musk qui a partagé cette information qui fut relayée par Dodge Designer sur euh, euh, sur X, Twitter. Bref. Alors. Bloomberg est tombé par 15,7%. Sur le marché de la bourse, ils perdent tout. Les gens même n'achètent même plus hein, ces actions-là, parce que c'est la perte. Les gens n'ont plus confiance en eux. Et cela, 17 avait dit donc dans ce message 4909 que cela se passerait. Parce que ce sont ceux-là qui maintiennent debout le parti Demon Right, le parti des libéraux, le parti des nazis, le parti des inf le, parti le, le parti de ceux qui n'ont rien de démocrate. La démocratie est une farce. Et également, hein, c'est pareil du côté républicain. Là-bas, ils ont les rhinos, les traîtres. Hein. Fox News, moins 16,1%, moins 16,1% avec CNN, moins 16,7%. 16 OK, tout tombe, là. Record d'audience qui tombe. OK Alors, ceci ce, 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 ce concerne, euh, je vais être plus spécifique, le nombre de visites sur leurs différents sites, euh, le nombre de fois que les gens rendent visite à leurs différentes plateformes. Il y a une baisse d'entre... 15 et 16,1%. Le Washington Post -14,5%, BBC -7,8%. C'est la dégringolade. C'est la dégringolade. Dégringoler, dégringoler. Ça me un fait penser à une ch chanson de euh, comment il s'appelle? Cavé, qui fait du bon zouk, euh, de la compa. Alan Cavé. dégringoler, dégringoler. Vous connaissez ces chansons? Extraordinaire. Purée, avec le clip, le clip, la vidéo est fantastique. Hein. Le zouk c'est bon. Là, par exemple, donc, euh, Elon Musk alors, se fait plaisir et s'amuse beaucoup sur Twitter. Elon Musk, il est devenu pratiquement l'un des plus grands lanceurs d'alerte, hein, c'est clair. Alors, que Meta, hein, qui a fait le blackout, euh, il y a eu le blackout de Meta, Meta qui ressemble à un test. J'ai l'impression qu'ils ne contrôlent plus rien, ils n'ont plus de technologie ou quoi. Euh, il y a des pannes mondiales de Meta, de, 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 de trade. OK Ça va plutôt dans la Metaverse. Space Force fait des dégâts, hein, positivement parlant. Bref. Donc, euh, je pense que euh, c'est tout pour l'instant. Je voulais partager cette information concernant euh, euh, le fait que euh, de moins en moins d'Américains font confiance aux médias. C'est ce qu'a expliqué euh, ici Andy Mick dans cet article de Forbes Forbes Magazine, ok Okay, ce n'est rien de nouveau, hein, cet article-là euh, nous l'indiquait déjà, il y en a plusieurs. Les gens ne font plus confiance aux médias, hein, c'est clair. Si vous euh, faites un petit... Vous euh, 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 du googling, vous allez voir que sincèrement, tout le monde a perdu confiance en ces euh, médias menteurs, car, comme disait l'a hey, euh, nous sommes les news maintenant. Ouais, ouais, oui, nous sommes les news maintenant. Okay euh, nous sommes les news maintenant. I love you. Abonne-toi, partage. Moi, aussi, moi, Médialo. Tu entends de vivre une époque particulière, celle que j'appelle la fin des mondialistes, comme le disent la plupart des patriotes. I love you. Et que jamais ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de ton voisin. Ciao, ciao.